Être capitaine de bateau de pêche en mer a été toujours un rêve pour moi. Je m'appelle Jeff Volant. J'ai 27 ans. Je suis montagnier de Manutenam. C'est une communauté située proche de Sept-Îles. La rivière Meshtechibou, qui est appelée Moisy, est située à environ 10 km vers l'est de Manutenam. Anciennement, nos ancêtres montaient la rivière pour aller rejoindre les grandes terres du Nord pour faire leur chasse traditionnelle. On retourne à cet âge-là. Il y a beaucoup d'entraide dans la communauté. C'est comme la communauté et toute la famille. Tout le monde s'aide dans la famille, mais quand c'est toute une communauté complète qui s'entraide, ben, ça donne beaucoup d'entraide. Le bateau chasseur d'écume a été acheté par deux communautés pour faire travailler les jeunes autochtones en réserve. Pour être capitaine, au tout début, il faut que tu te ramasses 4000 heures en mer. Moi, ma communauté a payé mon cours de capitaine à Grande-Rivière pour ensuite me faire travailler. Quand j'arrive proche de la balloune, ben c'est Chachal qui se charge de jeter le crapin, puis de monter la balloune, puis d'attacher la balloune. Ça prend environ une minute et demie pour monter la cage. Chachal, il charge de tout ce qui se passe en arrière. Faut qu'il fasse en sorte que les hommes de pont puissent être joviales toute la journée. Quand il se fatigue, mettons, ben, lui, il essaie de les remettre debout. J'ai aussi William Canapé. Lui, il est plus féroce sur le plan physique, fait que c'est lui qui charge des poids lourds, des pannes qui descendent en bas. Il y a aussi Marc-Antoine Pinette, ben, lui, il fait la boîte. C'est tout lui qui fait les petits détails, fait que. C'est lui qui est le plus important, mettons la vaisselle, le lavage du bateau. Avec un peu d'expérience, les gars ne veulent plus le faire, hein. C'est comme à la maison. Les gars, ils trient le plus gros, ça va plus vite demain. Puis en dernier, ils gardent les petits, puis ils commencent à les mesurer. La grandeur minimale qu'on peut embarquer, ben, c'est 93 mm à partir des deux bouts les plus longs de la carapace. Moi, j'ai un quota alloué à 193 000 sur une période de 14 semaines. Dans le premier mois, tu essayes de poigner jusqu'à 120 000 livres. Comme à la fin de l'année, là, tu pourrais faire une sortie, puis tu pourrais poigner 2000, 3000, 5000. C'est là qu'on commence à sortir aux deux jours. Après avoir tout monté les cages, MPO nous oblige à remplir un carnet de bord. Il y a plusieurs secteurs dans la main. C'est tout divisé puis quadrillé. Moi, ben, je dois faire en sorte que chaque cage tombe dans ce grillage-là, puis que je dois compter combien de jours de pêche, combien de cages il y a dans chaque secteur, combien de crabes en kilos que j'ai pris. Puis avec ça, ben, j'essaye de niveler les quotas alloués à chaque année. Dans le futur, j'aimerais faire l'acquisition d'un bateau de pêche et d'un quota de crabes et faire ce que j'aime le plus au monde, tout en étant maître de moi-même. Pour donner aussi la chance à d'autres jeunes Innus de faire la même chose que moi.
C'est mon premier long métrage.